Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, d'autres l'ont dit avant moi, nous partions d'un écart de 4,2 milliards d'euros entre la position du Parlement et celle des États membres qui, je le rappelle encore, souhaitaient réduire la proposition de budget de la Commission d'1,5 milliard d'euros. Et nous sommes finalement parvenus à un accord qui rencontre nos priorités climatiques ainsi que celles en faveur de l'emploi des jeunes et de l'innovation. Par rapport à 2019, nous avons ainsi augmenté d'1,5% les crédits d'engagement, portant le budget à 168,7 milliards d'euros. Ainsi, nous renforçons le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 en faisant de l'urgence climatique une opportunité économique. Nous verdissons les budgets consacrés à la croissance, à la compétitivité, mais aussi aux infrastructures de transport et d'énergie. Nous défendons nos PME, véritable colonne vertébrale de notre économie. Enfin, nous soutenons le numérique et Erasmus+. Pour rester compétitive vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de la Chine, l'Europe doit se doter d'un budget à la fois ambitieux et responsable. Et se basant sur le mandat reçu du Parlement européen, nous avons défendu nos positions avec la volonté d'établir un budget reflétant les attentes de nos citoyens et obtenu 850 millions supplémentaires pour concrétiser nos priorités, dont plus de 500 millions rien que pour le climat. Ainsi, en 2020, c'est bien 21% et non 20% du budget de l'Union qui seront consacrés à l'urgence climatique. J'espère tout simplement que c'est de bon augure pour les prochains exercices budgétaires.